Welcome to Lolo Baby Show, la chaîne YouTube spécialisée dans tout ce qui est confiance en soi. On parle de femmes, on parle de grossesse, on parle de tout quoi, sans tabou, et ça vous le savez. Welcome to Lolo Baby Show. Chez moi, dans mon humble demeure, je suis actuellement à Paris. Je m'évoque pas mal de mots, Paris, dans mon crâne, dans mon cerveau. Notamment un mot, mode. Et quand tu viens à Paris, directement, tu te prends pour Kate Moss, quoi. Genre, t'as trop envie de t'acheter plein de fringues, de faire des photos à la parisienne, sur les bancs. Par contre, putain, qu'est-ce qui caille, Sarah. C'est un truc de fou, hein. Paris, moi, personnellement, j'y monte très souvent. Mais à chaque fois que je monte, bah, il fait gris, quoi. Donc, welcome to Lolo Baby Show. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial et surtout de vous emmener avec moi tout au long de ma journée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va foutre encore, celle-là? En fait, je vous explique. Je pense que vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, que je vous invite à suivre si vous ne les suivez pas. Vous avez pu voir ces derniers temps que je change de style. J'essaye de faire un peu moins pouf. Je n'ai plus du tout la même vision de la sape. J'ai plus forcément envie de mettre des choses courtes. J'ai plus forcément envie de mettre des trucs super moulants, super colorés, tape à l'œil. C'est vrai qu'avant, on peut pas dire que j'étais forcément la personne qui pouvait parler de style et de vulgarité, parce que c'est vrai que j'étais toujours quand même plus ou moins en train de montrer ce côté sexy que je revendiquais et qui me dérangeait absolument pas. Et ben des fois je ne sais pas forcément comment m'habiller, je ne sais pas comment, vous savez, mettre quelle couleur avec quoi. Et j'ai une amie, mais c'est une fille que je connais depuis longtemps, c'est une amie, c'est une personne qui est dans le milieu de la mode quoi. Et donc du coup des fois je fais appel à elle et j'ai décidé vraiment vraiment de changer de style. D'ailleurs stop, on s'arrête, on s'abonne, on like parce que l'épisode va être du turfu, hein. Je vous emmène après faire les boutiques, ça va me coûter une blinde, donc s'il vous plaît likez. Faut que je rentabilise l'épisode. Non, parce qu'elle va m'emmener faire des boutiques, elle va me saigner. Donc bon, là comme d'habitude elle est souvent en retard, hein. Eh oui, bon ça c'est pas vrai, c'est toujours moi qui suis en retard. Oh, vous avez entendu, ça toque? Oui, ça toque, on va la chercher. Hello. Et voici ma Célestine, ma tour céleste. Et moi? Mais moi les canons, chérie. Donc voici ma petite Célestine. Donc Célestine, c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis un moment maintenant. La mode, c'est toute ma vie. Je vis mode, je mange mode, je dors mode, voilà. Bon, alors, elle est tellement perchée des fois au niveau de la mode que je vous dis la vérité, des fois je lui dis stop ta couze. Donc du coup, elle est plus ou moins... Mais attention, elle est accessible à toutes. Hein, on est d'accord, enfin, je veux dire, elle a énormément de clientes, que ça soit par exemple dans le monde de la télé, certes, mais aussi tu as des clientes de monsieur, oui, mais bien sûr, je fais toute la France et également Dubaï. Et elle s'occupe de vous, elle peut prendre donc clairement votre style en main. C'est ça, donc je fais du conseil en image, du personal shopping, donc le conseil en image, c'est-à-dire colorimétrie, morpho silhouette, tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Attends, stop, s'il vous plaît, est-ce que vous savez ce que c'est la colorimétrie? Non, mais allô. Mais c'est très important, ça peut changer ta vie. On va commencer par la colorimétrie. Il faut que je me lève. Ouais. Il faut que je me dessape. On retire la veste et après on verra si on retire le La colorimétrie, c'est les couleurs qui mettent en valeur le visage. On est d'accord que les couleurs ne vont pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que des fois, vous allez trouver une robe super belle, par exemple, sur une meuf. Je dis une connerie, une blonde avec un teint pâle, etc., etc. Et quand vous allez l'essayer, alors vous êtes brune et mat, ça va direct rendre moins bien. Donc du coup, on va commencer par faire le test de température. C'est-à-dire voir les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ça va être des volcans, les meufs. Tu es rouge direct. Attention, dis pas ça parce qu'on sait pas où tu vas être. Hein. Peut-être t'es dans le chaud ou peut-être... T'es en train de me traiter chaude. Alors, là, c'est le doré, donc du coup, le chaud. Donc, en fait, on va le voir tout de suite avec les deux couleurs. Donc là, c'est le chaud, le doré. Mm-hmm. L'argent, le froid. Perso, je préfère le gold. Alors, il y a des personnes, on le voit tout de suite, c'est flagrant, avec doré et argent. Et il y a d'autres personnes, on le voit pas, donc il faut mettre les autres couleurs. La photo, ça te met quand même plus mal. D'accord. Donc, moi, ça serait plus les couleurs chaudes, quoi. On va regarder. Ça tombe bien, je suis une chaude. Mais là, tu vois, ça me fait vraiment un teint gris. Ah, genre. Ça ne sera pas du tout. Ouais, beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de doute, c'est les couleurs chaudes. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même hallucinant parce que ça, c'est le genre de choses que nous, on ne fait pas, les filles, on ne veut pas se mentir. On n'a jamais pensé à se dire, voilà, est-ce que ça me va mieux ou ça me va mieux en termes de colorimétrie. Et en fait, elle est vraiment spécialisée dans ça. Alors, attention, la colorimétrie, c'est vraiment les couleurs qui mettent le visage
visage en valeur. C'est-à-dire que vous aimez le rouge orangé, c'est pas du tout votre couleur, vous pouvez le mettre en bas. Là, on va voir l'intensité, la saison. Les couleurs chaudes, t'as soit le printemps ou soit l'automne. Ça, c'est printemps. Printemps, okay. Ok. Là, on a retiré toutes les couleurs froides puisque là, on est dans les couleurs chaudes. Ta tonalité, c'est le chaud. Le chaud, ok. Printemps. Et ça, c'est automne, c'est ça? Et là, c'est l'automne. Sur mon teint et ma carnation, automne. On est d'accord. Ouais. Dans chaque saison, normalement, on a une couleur waouh. La couleur waouh. C'est genre la couleur waouh. Chérie, dis-le, la couleur waouh. La couleur waouh. Waouh. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, ça, c'est très joli. Le rouge, oh là là, le teint, oh là là. C'est trop beau, promène. Ça, c'est bleu canard. Mais ça, c'est très beau sur toi. T'as un haut, comme ça, que tu adores, d'accord? C'est pas ta saison, mais par exemple... Je peux rajouter une pointe de ma saison justement pour que ça m'arrange. Exactement, près du visage. Si tu mets un top là, bon, pas trop près du visage, et tu rajoutes par exemple des bijoux dorés, du coup là... Ça rehausse la couleur. Exactement. Donc vous le savez que si vous faites votre test en image entre guillemets, et que par exemple vous êtes ou team chaude ou team froide, si vous désirez quand même mettre un pull froid alors que vous êtes team chaude, vous rajouterez un petit côté chaud pour justement rehausser votre couleur exactement. De visage. Donc avec les bijoux, les lunettes... Et ça passe aussi par la couleur des cheveux. On sort la règle. Alors là, franchement, ça va être un moment primordial. C'est-à-dire, si tu me dis que mon nez, il fait plus que 10 cm à tout moment, on va pas voir le nez. Je rigole, hein, bien sûr, les meufs. Je n'insiste pas du tout à la chirurgie esthétique. Mets-toi devant le miroir. Allons-y. Alors, à la base des bases, la forme de visage idéale pour les femmes, c'est ovale. Malheureusement, on n'a pas tous la forme de visage idéale ovale. Il y a plusieurs formes de visage. Toi, c'est sûr, t'as la forme de visage, c'est diamant. Donc du coup, on va accessoiriser pour en fait tendre vers l'ovale. C'est mieux de mettre des cols ronds, donc là c'est parfait. Parce que si tu mets un col pointu, ça va encore plus allonger ton visage. Tes couleurs automne, les voici. Tu es comme... Julia Roberts. On adore. Voici mon panel de couleurs. Que tu peux mettre dans ton portefeuille. Comme ça, quand tu vas faire les boutiques, tu as tes couleurs avec toi. Ça, c'est top. Attendez, je vous montre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Et la morphologie de ton visage, donc d'accord. Du coup, forme diamant, comme Vanessa Paradis. Oh, j'adore Vanessa Paradis. Ah, tiens, le caméraman revient. Voilà. Non, il faut des pots pour ton fils. Ah, il y a ma belle maman. Oh, mais il y a le chien aussi, vous savez, il est toujours bien. Je vous présente Parada. Il est trop beau. On reste dans la mode, hein. D'accord, est-ce qu'on peut voir par rapport à ma morphologie? Parce qu'en fait, c'est le ça corps. Aussi, j'aimerais bien savoir le corps. Bon, mon corps est quand même vachement... Je suis quand même vachement bonne. On a vu que la forme de visage idéale chez la femme, c'est en ovale. Madame est diamant. Je lui ai donné les astuces pour le rendre ovale. Et la morphologie idéale donc chez une femme, c'est la forme en 8. Mais il y a plusieurs morphologies. Et du coup, pareil, ça va passer par les vêtements, etc. pour mettre en valeur, pour se rapprocher plus du 8. Bah, oui. On voit déjà quand même, là, la taille bien marquée, les hanches. Donc, on prend une mesure. Ok. Donc là, t'as de la chance. T'es en 8. Merci, mon chirurgien. Comme Marilyn Monroe. C'est plutôt pas mal. Ah, c'est plutôt pas mal. Et donc, qu'est-ce qui me correspond avec cette morphologie en 8? Maintenant, faut voir les proportions. Les proportions, c'est-à-dire voir, parce que les personnes, on va dire, elles ont soit un petit buste ou un grand buste, des petites jambes, des grandes jambes. Donc, on va voir ça. Ok. Donc t'as un grand buste et des petites jambes. Mais t'as la forme de Marilyn Monroe. Donc... Ouais, en fait t'es en train de me dire que je suis courte sur pattes quoi. Non, c'est pas ça. Si si, t'es en train de me dire que je ressemble à un caniche frère. J'ai pas dit ça. Ok, bon d'accord. Voilà. Et du coup je dois me saper comment comme ça? Donc, hein, tu viens de me niquer ma vie. Voilà, les pantalons, on doit mettre taille normale ou taille haute. D'accord, pas taille basse. Pas taille basse. Ça tombe bien, c'est plus la mode hein. En gros tu viens de péter le mythe que tout le monde pense que je suis super grande parce qu'à la télé je fais grande. C'est normal, je porte des talons de 16. Et en fait non, je suis toute petite. Tu vas me faire faire quoi là, aller te voir? Un test de style pour savoir quel est ton style. Les femmes, on a deux styles prédominants. J'ai l'école. Voilà. Okay. Et tu vas répondre à toutes ces questions. Oh, c'est trop bien. Alors.
Alors, votre destination favorite, Londres, Saint-Barth, Copenhague, Laponie, Venise ou New York? Je vais dire Londres. C'est le week-end, que faites-vous? Je vais dîner entre amis, sortie en famille, une idée à la campagne, sortie nana, une sortie en famille, forcément. Quelle boutique choisissez-vous? Chanel, Zara? Bah, je vais être franche avec vous, même si vous pensez que je m'habille en marque, c'est faux et archi faux, je ne porte que des marques accessibles. La plupart du temps, c'est que tout ce qui est Zara, H&M, Mango, voilà, ce sont des marques pour moi très très bien. Donc, quelle boutique je choisis? Des boutiques de prêt-à-porter normales. Quelle manicure faites-vous? Manicure pouf, y'a? Ouais. Ça, écoutez, ça, à un moment donné, c'est le seul truc que je ne vais pas changer. Ça, les ongles longs, j'aime trop, c'est comme ça. Vous décidez de changer la décoration de votre chambre? Alors là, j'ai une grande hésitation. Le 2 que j'aime bien, et j'aime le 4 également. Ça va être le 4. Choisissez votre maison de rêve. 4, ça me fait penser un peu aux maisons qu'il y a à Dubaï. Et 1, ça me fait vraiment penser un petit peu au truc un petit peu londonien que je kiffe. Mais tu te verrais plus habiter dans laquelle? On va dire que c'est plus la 4, je pense. Okay. Quel prénom choisirez-vous? Lucie, Constance, Anaïs, Inaya, Lola. Bah Lola, du coup. Bon. Le sport et vous? Ah bah c'est très souvent. En salle de sport, parce qu'il le faut bien, une activité en plein air de temps en temps, tous les sports, au quotidien avec les enfants. Je veux dire en salle de sport. Dans quel endroit aimeriez-vous être invité par votre prétendant? Ah, Nico? Moi, je vais plus être soit dans le restaurant dans château, soit dans un rooftop avec vue. Quel prénom choisiriez-vous? Bah y'a pas Zuzu! Bah oui. J'aime bien Louis. Quelle paire de boucles d'oreilles vous correspond le plus? Les perles, j'adore les perles. Quelle robe de soirée vous correspond le plus? Franchement, 4, direct. Putain, le numéro 4, il revient assez souvent. Quel sac correspond le plus? Le 1. Vous êtes invité à la Fashion Week. Ah, j'adore la Fashion Week! Vous y allez? Non, c'est trop superficiel. Bah, allô, bien sûr que oui, j'y vais, frère. Quelle est votre veste préférée? La 1, direct. Quelles sont vos couleurs favorites? Donc, j'irai, pour mes couleurs favorites, bah, j'irai à la limite le 2. Le 4, j'aime pas le silver, j'aime pas le mauve. Ouais, vas-y, je vais dire le 2. Du coup, c'est flagrant. Donc, je vous explique. Le premier, c'était traditionnel. Le deuxième, classique. Le troisième, bohème. Quatrième, flamboyant. Elle est flamboyante. Le 5, c'était genre naturel. Ouais, bah là, il y a rien de naturel chez moi. Et le 6, c'était artistique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on est à ex-aequo, puisque les deux femmes, comme je vous ai dit, ont deux styles. Donc, t'es traditionnel et classique, parce que t'aimes bien quand même les choses traditionnelles, classiques, le beau tailleur, etc. Tout à fait, voilà. J'adore. 3, bohèmes, c'est-à-dire les dentelles, les fleurs, pas du tout. 4, flamboyant. Flamboyant, ça veut dire celle qui aime être à la pointe de la mode, qui aime être stylée, qu'on la remarque. Donc, voilà. Mais j'en étais sûre, hein. Et qui est comme moi. Donc, moi j'étais 2 et 4, classique et flamboyant. Oh, j'adore. Bon, et là maintenant on va se faire quoi? Les shopping. Donc vous allez pouvoir voir dans le prochain épisode. Célestine et moi on part en vlog mode. C'est-à-dire qu'on va se promener dans Paris à la recherche de toutes les petites pépites, donc dans nos boutiques. Et justement, c'est elle qui va me faire mes tenues. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter et à vous abonner pour le prochain épisode. Comme ça, vous recevrez la petite notification qu'on aime tant. À tout à l'heure. Mouah.